Des confidences à cœur ouvert. Seul Français à avoir remporté un Roland Garros, Yannick Noah a connu la célébrité à l'âge de 23 ans. Mais le sportif de haut niveau a très vite déchanté, comme il le confie dans les colonnes du Monde. En effet, après sa victoire, le jeune tennisman a été touché par la dépression 3 ou 4 semaines après. Autour de moi, personne ne comprend. Je finis par m'ouvrir à quelqu'un, pas un professionnel à une copine qui me dit « Casse-toi de France, Yann. Viens à New York, tu seras tranquille. » Et si est-il ce qu'il fera? Yannick Noah a été marqué par cette période. J'avais 23 ans, j'étais un môme et je ne recevais que des critiques, des jugements. J'ai détesté les gens, confie-t-il. Heureusement, il fait une belle rencontre à ce moment-là, j'ai retrouvé mes appuis en rencontrant Cécilia, Rodé, sa première femme suédoise et mère de ses deux aînés, Joachim et Yelena. En décidant que ma carrière passait après ma famille. Mon rêve c'était d'avoir des gamins. On a fondé une famille très rapidement, explique-t-il. Yannick Noah, je n'étais pas du tout prêt lorsqu'il remporte Roland Garros. Yannick Noah ne sait plus très bien où il en est, je n'étais pas du tout prêt. Ce n'était pas ce qui m'avait attiré dans l'idée de gagner Roland. Je me disais que j'aurais peut-être plus de meufs, plus de blé, si esti à peu près tout. La gloire, mais sans me poser de questions. Mon numéro était toujours dans l'annuaire. Une fois que j'ai atteint cet objectif, ce n'était plus pareil, même si j'ai eu mon meilleur classement par la suite, a-t-il déclaré au JDD. Désormais installé au Cameroun, il est le chef du village, autrefois géré par son père, aujourd'hui décédé. Loading widget.